Michon. Dans une dizaine de minutes, eh bien, il va vous affûter les mollets, vous préparer pour cette course mondiale. Que vous pouvez voir ici sous l'arche de départ, c'est la voiture qui partira une demi-heure après les coureurs à la vitesse précise de 15 km/h. Elle va partir en direction des coureurs sur le même parcours et les mettra hors course. Ce sera leur ligne d'arrivée quand ils seront doublés par la gauche. J'insiste là-dessus, les concurrents, m'écoutez bien, vous devez vous faire rattraper par la catcher car elle devra vous doubler par la gauche. Devrait rester impérativement sur la droite de la route. Vous aurez des rabatteurs en vélo qui vous mettront à droite de la route pour absolument être placé. Si la voiture venait à vous doubler par la droite, vous serez mis hors course. Votre emplacement, vous allez, vous inquiétez pas, être échauffé sur place dans votre sas, mais il est impératif d'être dans votre sas dans une dizaine de minutes au plus tard. Et comme vous êtes très nombreux, ça se fera pas en 30 secondes. D'ores et déjà, allez, vous rejoignez votre emplacement pour que tout se passe bien. Allez, rejoignez le sas de départ. Vous avez au loin, vous voyez dans les sas les meneurs d'allure, 5, 10, 15 ou 20 km selon la distance que vous allez ou vous aimeriez effectuer, comme sur marathon. Ce sont des pros, suivez-les. Voilà, rejoignez le sas, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les consignes, je vous en remercie. Je compte vraiment sur ça parce que. L'entrée est là. Samuel. Il y aura aussi dans les monisports quelques cassis ou condamnes sous la route. Il n'y a pas de problème sur le parcours de trébuchement. Ensuite, eh bien, la particularité, c'est qu'il faut faire très attention au deuxième kilomètre. Il y a une descente la plus importante des champs. Donc après, par la vitesse, je parle vraiment aux handisports avec
sur le parvis de l'hôtel de ville. Vous aurez aussi de quoi vous ravitailler, de l'eau à boire pour vous restaurer. Et également, vous aurez à votre disposition 15 kinés dans l'hôtel de ville avec des tables pour relâcher vos muscles, meurtrir les formes. Mais ce ne sera rien comparé aux personnes qui ne peuvent plus courir. Vous courez pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est une course caritative. Tous vos frais d'inscription sont reversés à la recherche, à la fondation Wings for Life. Et Salah qui va bientôt mettre le feu à vos mollets. Il va monter sur son estrade, il va vous échauffer, vous allez voir, c'est un pro. Il s'est occupé de la préparation de tous les participants qui ont fait les training camps aussi bien à Rouen, à Caen, je crois, et à Paris. Donc vous étiez de plus en plus nombreux sur ce type de prestation avec des parcours en ville, des coachs de qualité, gratuitement pour vous, profitez-en. Ça va être en forme. Il va faire l'échauffement comme vous, et en plus derrière il va faire le mouvement d'allure. Puis à 35 km/h pour mettre chacun d'entre vous hors course, la seule course au monde où c'est la voiture qui vous rattrape, qui fait office de ligne d'arrivée. Qui reste en dehors des barrières, et bien je vous invite urgemment à rejoindre votre emplacement.